Bonjour, Monsieur Aucoin. Donc, à tout le monde, on est prêt à reprendre avec la période de questions. J'aimerais préciser certains détails pour la période de questions. Je vais demander, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui risquent de poser des questions, donc vous présenter, vous dire votre nom, d'où vous venez, et de poser une question. Et en supplément, une sous-question, je laisse la chance à tout le monde de poser une question pour ne pas partir à 1h du matin non plus. À vous. Bonsoir, Jeannot Aucoin, président de l'Association pour la protection de l'environnement du Lac Bleu. J'ai deux questions. Je vais essayer de faire ça facile. Concernant la situation délicate et incertaine du camp Hibou des jeunes au Lac Bleu, est-ce que le conseil est prêt à s'engager auprès de la population à l'effet qu'il n'y aura pas de changement de zonage dans ce dossier-là sans consultation publique, si le cas échéant, ça se produit? On ne sait pas, mais nous, on aimerait mieux prévoir que courir après. Je peux vous assurer, M. Aucoin, qu'il y aura toujours une consultation publique s'il y a un changement de zonage qui est demandé. Et pour le moment, les zonages au niveau des camps ont été travaillés. On a déjà un dossier au Lac Tachigan par rapport à cela. Je vous assure que s'il y a quelque chose à se faire, on va être les premiers à se parler pour que vous puissiez mettre au courant le monde de votre association proche. OK, merci. Deuxième question, puis après je m'en vais pour ça. Je vais laisser la place aux autres. Nous, on aimerait recevoir l'étude hydrogéologique qui a été faite concernant le projet de la colline 2 de M. Bissonnette. On a de la difficulté à avoir ce résultat-là. Est-ce que c'est possible qu'on le reçoive? Je ne pense pas qu'on puisse recevoir ça parce que c'est une étude qui a été demandée et c'est le promoteur qui doit les faire. Et donc, ce sont des documents qui lui appartiennent à lui. Il nous les dépose pour mettre dans son dossier, mais je ne pense pas d'avoir le droit de les partager. Peut-être que les résultats dans son ensemble pourraient faire sujet d'une mise au point. Mais de partager les documents, je valide, okay. Je ne suis pas sûr. Pouvez-vous nous donner, à ce moment-là, un résumé pour rassurer la population? Parce qu'actuellement, dans notre secteur, là, les gens sont inquiets. Je reçois plein d'appels, plein de demandes. Là, il y en a encore qui ont écrit aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'eau. Et alors là, la panique est en train de prendre dans le secteur versus l'eau potable. Okay. Ben, et effectivement, oui, mais qu'on aille quelques études hydrogéologiques, parce qu'il faut s'entendre que là, nous en avons fait une pour les 10 résidences qu'il a demandé. Au moins qu'il y en ait d'autres dans le secteur, sur d'autres promoteurs, mais on va faire le croisement de ces études-là pour avoir un portrait de ce qui se passe au niveau de la nappe phréatique dans le coin du chemin de Lac-Batran et du Lac-Bleu. Mais la phase 2 n'était pas soumise à l'étude hydrogéologique. Effectivement, la phase 2 avait été autorisée avant la... Oui, oui, non, mais moi, je parle de la phase 3, là, la phase 3. Le dernier, là. Je suis d'accord avec vous. Le protocole n'est pas encore signé. C'est pas encore signé. OK. Puis, enfin, par rapport aux entreprises commerciales et industrielles, par rapport à la nappe phréatique, c'est quoi votre plan de match? Allez-vous mettre des compteurs d'eau? Allez-vous assurer une gestion plus rigoureuse? Parce que les commerces et les industries qui veulent s'en venir sur le boulevard, la 333, ça va devenir et ça va créer un impact majeur éventuellement sur la nappe aussi. Alors, moi, j'aimerais savoir c'est quoi votre point de vue là-dessus, puis où on s'en va avec ça à moyen terme avec la municipalité pour la nappe, puis je m'en vais là. Je laisse la place. Bien, présentement, ce qu'on a déposé aujourd'hui, le rapport sur la consommation d'eau, c'est principalement pour le réseau d'aqueduc. On offre un contrôle serré à fournir au ministère les chartes d'utilisation de l'eau potable d'un aqueduc municipal. Au niveau des puits privés, je dirais que jusqu'à date, il n'y a pas grand contrôle qu'on peut faire. C'est une question qu'on doit se poser parce que l'accessibilité à l'eau, on voit principalement que Sainte-Anne-des-Lacs est en train de faire un règlement d'accès à l'eau potable et à l'eau des lacs. On va les regarder aller parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui vont sortir qu'on pourrait utiliser. Mais effectivement, notre but premier dans l'établissement du règlement sur les études hydrogéologiques, c'était vraiment de comprendre ce qui se passe en dessous de nos pieds, puis d'essayer de faire qu'on ne puisse pas à outrance dans notre nappe phréatique. Nous, on vous offre la disponibilité et l'intérêt. Merci, M. Aucoin. Merci. Bonsoir. Pierre Lamy, 525e avenue, Lac du Pain-Rouge. J'ai deux points. Le premier, c'est que à la jonction de la route des Auteurs, les Lacs du Pain-Rouge et les Bois... Pas sale, pas être à mal.
Et juste avant les boîtes à balles, il y a une roche qui sort de la rue. Elle sort d'environ 2 pouces et peut-être 2 pieds de diamètre. Ça fait toute une bosse quand on arrive chercher notre courrier. Si vous pourriez regarder ça. Et l'autre, c'est les dos d'âne. À la dernière réunion générale, un monsieur a amené le point des dos d'âne. Et je ne veux pas du tout minimiser le danger de la vitesse. Mais si ma maison est en feu et les pompiers sont obligés de passer à travers un nombre d'eau d'âne qui se rendent chez nous, ou les ambulanciers, je ne voudrais pas que quelqu'un souffre plus parce que les ambulances, au pire, s'endommagent par les dos d'âne. Donc, est-ce que les services premiers répondants sont dans le processus de consultation quand vous regardez où vous installez les dos d'âne? Bien, on demande des avis, mais est-ce que quelque part, au final, on a calculé le temps de réponse à travers le nombre de dos d'âne qui est installé? Je vous dirais que non. Le processus d'analyse n'a sûrement pas été fait jusque-là. Par contre, on sait qu'avant de installer un dos d'âne en permanence, on en fait une installation temporaire pendant quoi? Un été? Ou même deux? Ça peut aller jusqu'à un été ou deux avant de mettre en permanence asphalté à même la route. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder. Ou demander l'avis au premier répondant, savoir si l'incidence des dos d'âne a une influence sur le temps de réponse. Bon point. Il n'y a aucun dos d'âne sur un boulevard. À 50 km/h. C'est pour cette raison-là qu'on ne met pas de dos d'âne sur les boulevards. Pour que la transition des pompiers ou des premiers répondants soit plus rapide sur les boulevards urbains. Merci. Merci. Bonne question. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Denis Paré, La Clèche-Gant, 380e avenue. Deux, trois petits points rapides. Premièrement, merci pour ce qui a été fait là, dans nos avenues. Là. Je sais que la vitesse va être changée là, le 14 septembre de 30 à 20, comme on s'était entendu, donc merci pour ça. Pour l'ajout du stop aussi et le dos d'âne qui va être ajouté là, sur la 382. Donc, ça va dans le bon sens, là, suite à ce qu'on avait discuté dans le passé. Le 5 mai dernier, on s'est rencontrés, il y a eu une rencontre citoyenne, et on s'était dit qu'on allait se rencontrer de nouveau. Là, c'est la fin de l'été, on a, disons, le vécu d'un autre été à vivre ensemble. Est-ce qu'il va y avoir une autre rencontre citoyenne pour faire suite à celle du 5 mai? J'en avais justement parlé à M. Meunier qu'on devrait s'étudier ça. On voulait attendre les activités jusqu'à quand se termine, que les écoles soient recommencées. Vous direz, dans le courant du mois d'octobre, c'est sûr et certain qu'on va se rencontrer au nouveau camp du Grand Héron pour faire un post-mortem de cet été. Okay. Ça va être annoncé comment ou comment on va le savoir? Ben, je sais que la dernière fois, on a eu une petite controverse à savoir la façon de laquelle ça avait été diffusé. Oui. Je pense qu'on va le transmettre aux associations. On va s'assurer qu'il y a une uniformité du message dans le secteur visible. OK. Donc, on peut suivre le mois d'octobre. Là, ça va arriver oui. Le mois d'octobre. OK. Merci. La construction qu'il y a sur le parc, je m'excuse, là, il faut que je m'habitue avec le nouveau nom qui arrive ce soir, le parc du Grand Héron. Il y a un peu de construction qui se fait du côté est. Est-ce que c'est la patinoire? Oui. C'est la patinoire. Bien, il y a la patinoire puis les infrastructures sur les lignes à eau qui sont pour qu'ils soient les lignes d'alimentation en eau des bâtiments. Ah, OK. Pour qu'ils soient permanents. Il restait deux bâtiments à alimenter en eau potable okay. Avec une ligne assez profonde pour qu'elle ne gèle pas. Et c'est des travaux qu'on fait cet automne. OK. Et la patinoire, là, qui est effectivement du côté est. Là. OK. Tantôt, on a mentionné qu'il y avait d'acquisition d'afficheurs de vitesse. J'ai entendu 10 afficheurs de vitesse. Est-ce que c'est des afficheurs de vitesse fixes ou mobiles? Les autres sont... C'est fixe. Ben, c'est peut être mobile, mais c'est fixe avec un panneau solaire. Avec un panneau solaire. Mais c'est fixé sur un poteau ou c'est sur... C'est poteau. Ah, c'est sur des poteaux. OK. Puis la distribution de ces afficheurs-là... Il y en a un dans votre secteur. Ils vont en avoir un dans notre secteur. Oui. Tous les secteurs de camp, les boulevards vont avoir au moins... Tous les boulevards et les secteurs là, à 20 ou 30 km pour les camps vont avoir un afficheur de vitesse. Ah, OK. Merci. Ça répond à mes questions. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, M. le maire et les conseillers. Mon nom, c'est Alfred Deroux. Je demeure au 41-415e avenue, juste en face du stationnement pour la plage municipale et la descente de bateau.
La dernière assemblée du conseil, j'ai relevé l'histoire de la vitesse sur la 415e avenue à partir de la carrière ou la 417 à aller jusqu'à la 411e avenue. Il y a un an, puis même il y a 6 mois, on a discuté avec le conseil, pas le conseil, mais l'hôtel de ville, là. Et puis il était supposé d'installer en plein milieu de la rue une indication de 30 km/h pour ralentir la vitesse des camions et des autos. Vous l'avez installé à différents endroits, sauf qu'il n'y en a pas eu d'installé à l'endroit où c'est le plus dangereux, c'est-à-dire quand ça se met à descendre, ou l'entrée là, du stationnement de la plage municipale et de la descente de bateau. Puis, la dernière assemblée, vous avez dit, on va regarder ça, on va voir ce qu'on va faire avec ça. On pense que c'est une question de sécurité pour les enfants. Mon voisin, il a 4 enfants. Lui. Puis, plein de monde qui stationne dans le stationnement, qui vont à la plage municipale, qui vont à la descente de bateau. Puis, ma question, c'est simple. Est-ce que vous allez installer, oui ou non, un panneau à l'endroit où c'est le plus dangereux, c'est-à-dire en face du stationnement de la plage municipale? Je pourrais vous dire que oui. Est-ce que ça va être fait pour cette année? J'en doute. La saison estivale est presque terminée. On va annoncer la fermeture de la descente de bateau dans les prochaines semaines. On va regarder ça pour sécuriser le secteur pour l'année prochaine en fonction des activités qui vont se faire au débarcadère. Oui, parce que ça fait un an qu'on en parle. Il y a 6 mois, ils devaient en installer une. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont installé un. En bas, entre la 411 et le chemin du lac Achigan. Puis la route, actuellement, jusqu'où on a mis ça, elle a 20 pieds de large d'asphalte. Chez nous, ça a 22 pieds. Il ne faut pas nous dire que c'est en cause que la route n'est pas assez large. Ce n'est pas le cas. Mm-hmm. C'était le seul stationnement incitatif qu'on avait dans le secteur quand on avait des activités de plage. Il n'y a pas de stop sur la 417, fait que ça roule vite, puis c'est ça. Deuxième point, la barrière concernant le stationnement de la plage municipale, que j'ai parlé encore le mois passé, que M. Léchevin devait vérifier pourquoi elle n'est pas barrée. Parce qu'il y a encore du camping, il y a du camping régulier. Mais si le conseil municipal il pense que ça devrait être un camping, il faudra qu'il informe les citoyens et installer au moins des toilettes, parce que moi, c'est très en avant de chez nous. Quand il y a des campeurs qui vont aux toilettes, puis les wafers n'aiment pas ça. La demande avait été faite, elle avait été demandée de le fermer tous les soirs quand la tournée se faisait. Vous me confirmez que ça n'a pas été fait dans le mois qui vient? Non, ça n'a pas été fait. Okay. L'année passée, j'en ai parlé, ça devait se faire, mais ça ne s'est pas fait non plus. On va la fermer. Bon, c'est bien. Troisième point, le réaménagement de la descente de bateau. Le mois passé, vous m'avez dit, on va avoir une réunion, oui. M. Leroux, dans le mois de septembre. On est rendu dans le milieu du mois. J'ai pas mentionné le mois de septembre, je vous ai dit après la fin des activités nautiques. Donc, je voulais vraiment finir que toutes les activités de bateau se fassent, qu'on peut se rencontrer par la suite. On faudrait que je regarde la dernière réunion du conseil. Il me semble que c'était en septembre que vous m'avez parlé. Je vais le vérifier pour être bien sûr, là. Mais c'est sûr qu'on va avoir à se parler. Vous savez que ça fait 3 mois que j'ai envoyé une mise en demeure à la municipalité. C'est-tu raisonnable que ça prenne plus que 3 mois avant d'avoir une réponse ou qu'on ait une réunion? On demande une réunion, ça fait plus qu'un an, puis il ne se passe rien. On dirait que... Vous faites quoi avec ça, les mises en demeure? On attend d'avoir des réponses à vous donner par rapport au développement du projet qu'on vous propose. Vous rencontrez sans avoir de substance, ça serait se dire, ben oui, on prend en considération, mais je veux vraiment avoir quelque chose à vous proposer, mais qu'on peut se rencontrer. Pour ça qu'on attend d'avoir... Oui, mais là, on est rendu au mois de septembre. Là. Effectivement. Vous prévoyez de faire ces travaux-là, OK? C'était prévu pour octobre, à la fin des activités nautiques, mais on n'est pas garanti de pouvoir les faire encore. Vous allez être rencontré avant? Oui, vous en oui, parce que... Définitivement qu'on va en rencontre avant de faire les travaux. Ça, je vous l'assure. OK. On continue à espérer, mais je me demande réellement s'il y a un sérieux du conseil municipal de nous rencontrer. M. Leroux, s'il vous plaît. Je vous assure. C'est ma perception. Je vous assure que tous les dossiers qu'on fait, on en fait un suivi simple. Je vous remercie. Merci.
Bonsoir, Joanne Gauthier, 859 du chemin du lac de la Chugande. Je viens ce soir au micro comme membre du conseil d'administration de l'APLA. J'ai le premier vice-président, M. Jean-François Garot, qui est avec moi. La raison pour laquelle c'est moi au micro, parce que vous m'avez déjà vu souvent, mais là, c'était un autre. Mais M. Gingras est absent pour funérailles, alors il m'a demandé de venir vous entretenir. Alors, je vais vous entretenir sur deux volets, le volet du projet Cocréa site Cambrouchésie et aussi Cambrouchésie. Et c'est je veux juste vous dire que notre opposition, on vous appuie dans ce que dans la réponse que vous avez faite, la lettre ouverte et la vidéo, quand vous dites que ça méritait une rectification des faits, que ça contribuait aussi à semer la quantité des mauvais faits. Alors, on l'a toujours dit, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits, parce que c'est comme ça qu'on va avancer avec les rumeurs puis les fausses interprétations. Alors, on voulait juste vous dire qu'on était d'accord, on appuyait la position que vous faites. Et quand vous dites aussi, vous avez dit, des opposants au projet semblent souhaiter qu'on écrit certains règlements pour satisfaire des intérêts personnels. On réitère encore notre position, notre discours. Nous, on l'a toujours dit, je me souviens de la dernière assemblée en présentiel en 2019 et des rencontres de travail. On a des très bons règlements dans la municipalité de Saint-Hippolyte. On était avant-gardiste, que ce serait pour le lavage obligatoire des bateaux. Nous étions la troisième lac dans les Laurentides en 2010 qui a eu ça, alors c'était très bien. Les éponges à cale, le règlement des vidanges systématiques, des fosses septiques qui étaient inclus dans le compte de taxes, les bandes riveraines, en tout cas, je ne vais pas toutes les énumérer, mais les règlements, on l'a toujours dit, sont très bons. C'est dans l'application et on le dit, c'est dans les procès-verbaux, c'est enregistré. On n'a jamais eu comme association de problème avec les règlements puis le politique. On disait que c'était En 2019, c'était le discours, puis ça a été encore le même discours dernièrement, c'est dans l'interprétation. Mais on est d'accord avec vous qu'on veut vous rassurer que nos interventions pour le projet, c'est pas pour de réécrire les règlements, parce qu'ils sont tous là, puis ils sont bien. Puis on en convient. Ensuite, vous dites la municipalité n'a rien ajouté, mais simplement déplacé leur positionnement dans les classes d'usage lors du changement en décembre 2019. On est en accord aussi avec la lecture que vous en faites des bonifications de la réglementation qui a été faite en novembre 2019. Puis je vais citer, parce que vous avez mis l'extrait, « L'usage centre de vacances est retiré de la zone récréative dont le camp Cambrouchésie fait partie. Elle se retrouve maintenant dans une zone commerciale non attribuée au camp. » Alors, malgré cette modification réglementaire, les deux termes sont tellement similaires que nous ne pouvons lui soustraire des usages de centre de vacances. Alors, ma question, pourquoi vous ne pouvez lui soustraire les usages de centre de vacances, puisque la réglementation l'a fait? Puis j'ai d'autres petites questions après. Il faut juste comprendre que les usages d'un centre de vacances ou d'un camp de vacances peuvent être les mêmes. Les activités de tir à l'arc, on peut en faire dans les deux types. Donc, les usages de l'un ou les usages de l'autre, c'est la même chose. C'est dans la portion commerciale et dans la portion communautaire que les activités de camp du camp Cocréa vont s'inscrire. C'est là qu'elle est la différence. Parce que les usages qu'ils vont en faire correspondent au règlement. Et c'est vrai, effectivement, que ce soit un camp de vacances ou un centre de vacances, si les deux décident de faire de l'escalade, ben oui, ils sont permis aux usages de camps de vacances. Mais vous l'avez, quand vous dites, c'est ça, l'usage centre de vacances a été retiré de la zone des camps et retrouvé dans une autre zone. L'usage commercial, on le dit bien dans le règlement, c'est le mot commercial qui a été retiré de la partie réglementaire. C'est là où l'opinion de l'association, puis pour l'instant, diffère, c'est que nous, on dit que oui, comme vous dites, l'activité communautaire, c'est camp de vacances, puis des activités commerciales, c'est centre de vacances, puis on veut pas partir le débat, là, mais je voulais juste comprendre pourquoi vous dites que vous pouviez pas lui soustraire ces usages-là, mais là, vous l'avez expliqué, je comprends. Madame Gauthier, j'avais demandé à M. Gingras, votre président, si vous aviez reçu l'avis juridique que vous aviez demandé jusqu'à date.
Donc, vous ne l'avez pas reçu encore? Non, je lui ai parlé. Il était à Amos là, pour les funérailles. Puis, c'est ça que je lui ai demandé. J'ai dit, sûrement, on va me poser la question. Puis, parce que ce n'est pas moi qui s'occupe de ce dossier-là, ce volet-là. Et nous ne l'avons pas encore parce que la personne, l'avocat qui s'occupait de ça était en vacances un mois et est revenu dernièrement. Alors, c'est la raison du délai. Ce n'est pas mauvaise intention ou quoi que ce soit là, pour faire retarder l'échéance. Ce n'est pas ça du tout. Alors, je vais continuer aussi. Il est par ailleurs pertinent de... C'est vos paroles, là, pertinent de mentionner qu'un comité ad hoc formé de membres du conseil d'administration de l'APLA. Alors, pour le bénéfice des membres du conseil, votre bénéfice, puis des citoyens qui sont ici, qui écoutent, ça a porté à confusion parce que ce comité ad hoc-là, ce n'est pas un comité ad hoc de l'APLA. C'est, si vous vous souvenez, puis j'ai regardé, je vous invite à regarder la séance du conseil du 4 septembre 2018. C'était la première fois où on avait une séance du conseil ici. J'étais présente. Et vous étiez présente, il y avait, Mme Ouellette n'est pas là, mais il y avait Mme Lachaine, Monsieur le maire, qui était là aussi à l'époque comme conseiller. Et il y a eu une question qui est venue de Monsieur Lachance du Lac Bleu. Et à l'effet, c'était pour le Airbnb. Et Monsieur le maire, vous l'écouterez, a dit, écoutez, Monsieur Lachance, justement tout à l'heure, je discutais avec la présidente de l'APLA, c'est le poste que j'occupais à ce moment-là, avant la réunion, on reconnaît qu'il y a un gros problème de Airbnb, et j'ai décidé, on va former un comité ad hoc, on va former un comité, puis je vous invite à venir donner votre nom, puis on aimerait ça vous participer. Alors, ce que je veux simplement puis corriger, c'est que ce comité-là, on ne l'a pas initié, puis on n'a pas décidé qui serait membre, c'est à l'invitation de M. le maire. Fait que je voulais juste clarifier, parce que comme vous avez dit, je vous ai dit au début, il faut clarifier les faits pour pas que ça porte préjudice à qui que ce soit. Et c'est sûr que là, vous écrivez que le certificat d'usage délivré au promoteur du projet respecte en tout point le schéma d'aménagement de la rivière Mercier du Nord. Ça correspond aussi à la définition d'un cas selon notre propre règlement, mais alors c'est là qu'on diffère. Parce que nous, on dit que oui, c'est vrai que pas moi, là, mais il y a certaines personnes de l'APLA avec vous, monsieur, avec le directeur, ont vu, puis Mme Huneau, ont vu l'avis qui avait servi pour l'émission du certificat. Et ce qu'on a noté, c'est que cet avis-là était basé sur la réglementation avant le changement de novembre 2019. Donc, c'est pour ça qu'à l'Assemblée générale annuelle de l'APLA, puis dans d'autres rencontres de travail privé, qu'on demandait si vous aviez de faire un nouvel avis juridique. Puis comme ça n'arrivait pas, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre quelqu'un objectivement. Nous, on est chanceux, on est très privilégiés à l'APLA d'avoir un conseiller juridique qui habite au lac depuis 44 ans, puis dont son expertise est... et en domaine municipal, mais on veut toujours être... faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, faut pas qu'il y ait apparence de... Donc, on va aller à l'extérieur puis se faire confirmer ou non que ce qu'on avance est le cas. Alors, c'est là-dessus. Maintenant, je vais juste vous rappeler, justement, pour tantôt, je parlais du comité ad hoc. Le 26 juillet dernier, M. Gingras, au nom du conseil d'administration, vous a écrit à tout le monde. Et tout est... Ça, on parlait justement de qu'est-ce que c'était, ce comité ad hoc-là. Alors, le comité ad hoc, il s'est penché sur la location à court terme, la réglementation sur les quais, le règlement de zonage, les tests de qualité de l'eau et tout ça. Alors, je veux vraiment assurer les gens, puis les membres du conseil, c'est pas un comité de l'APLA, c'est une initiative de M. le maire, votre prédécesseur. Maintenant, je vais juste vous finir avec un autre dossier qui, lui, touche le lot Cambrouchésie. Loin de nous de vous dire ou de vous dicter comment, quoi faire et quoi demander, où aller, mais c'est une suggestion, puis peut-être que vous n'étiez pas au courant. Mais c'était de notoriété, votre prédécesseur puis les directeurs généraux qui ont précédé M. Meunier ont été mis au courant. Mais j'aimerais vous rappeler un article dans le journal Les Affaires du 8 septembre 2018 qui était écrit par Mme Claudine Hébert.
Alors, cet article-là, c'était des investissements, de nouvelles salles, de nouveaux services, et plus encore pour faciliter la vie des organisateurs d'événements, petit tour de la province. Il y avait plusieurs régions, et là, il y avait la région des Laurentides. Et pour les Laurentides, il y avait deux projets, un au Mont-Tremblant, et il y en avait un à Saint-Hippolyte. Alors, ça dit ceci, « Petite et grande réunion au camp de vacances ». Racheté au printemps dernier par deux promoteurs, le camp Bruchésie à Saint-Hippolyte dans les Laurentides veut devenir une adresse chouchou des organisateurs d'événements. Déjà, 500 000 $ ont été investis par les nouveaux propriétaires pour améliorer les capacités d'accueil, dont les salles et les chalets. Au total, ce sera plus de 3 millions qui seront investis au cours des cinq prochaines années, 2018, 5 ans, 2023. Indique Nicolas Delorimier, directeur des opérations du camp Bruchésie. La direction de ce camp de vacances, qui peut recevoir jusqu'à 600 convives par jour, mise sur des investissements pour augmenter considérablement sa clientèle d'affaires, une clientèle qui représente pour le moment moins de 5 % des revenus. L'objectif, faire grimper à 25 % Je voudrais juste, en terminant, comprenez-vous, parce que ça fait depuis ce temps-là. Et je vais terminer aussi pour vous rassurer, puis je suis sûre qu'il a mal été cité, le canal de communication entre l'APLA et M. Desroches, propriétaire, est ouvert depuis le 6 juin 2018. C'est moi qui l'avais initié. Et je ne ferai pas la nomenclature, mais je veux vous rassurer, comme le canal de communication est ouvert aussi avec le camp de Wardale et d'autres associations. Et je peux vous assurer que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines encore, M. Desroches et M. Gingras se parlent. Mais nous, comprenez-vous pourquoi? Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce n'est pas des faussetés. On a souvent parlé avec ça, mais quand on regarde le projet Co-Créa, puis l'année dernière, nous lui l'avons, je vais terminer avec ça, nous l'avons rencontré, il nous a tout présenté ça pendant 3 heures. Pour nous, c'est des activités commerciales, ce n'est pas un camp de vacances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée. Juste, l'article que vous me citez est daté de quelle date? 2018. Ouais. Comprenez que le projet du camp Co-Créa n'a pas été déposé en 2018, il vient d'être déposé. Je pense qu'il y a un cheminement qui s'est fait. Co-Créa, c'est pour les deux autres. Ça, c'est pour le mot du On va le faire ensemble, le projet. J'ai toujours mentionné que s'il y avait projet qui était pour voir le jour ou des demandes de permis, on était pour créer un comité pour être sûr et certain qu'un projet comme ça sera suivi et quelque part, les choses vont se faire convenablement. Monsieur le maire? Oui, Mme Tremblay? J'ai retrouvé l'article dont parle Mme Gauthier. Je peux me tromper, mais j'essaye ça. Je pense que la personne qui a écrit cet article-là dit Cambrechésie. Comme si, tu sais, tout s'appelait Cambrechésie, les trois lots, je pense. À l'époque, c'était des propriétaires, ça veut dire. Oui. Écoutez, je ne veux pas faire d'interprétation. C'est Nicolas qui est en avant-loi, qui est toujours le directeur opérateur du camp. Je ne veux pas faire d'interprétation sur un article de journal, mais on va suivre le projet. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire et conseiller. C'est Marc Benoît. Je suis résident de la 365e Avenue. Le chemin qui mène justement vers le camp Bruchésie. On a acheté il y a 3 ans. En fait, on est arrivé au mois de juin l'année 2020, fait que ça fait un peu plus que 2 ans. Depuis qu'on est là, le volume de trafic dans la rue n'a cessé d'augmenter. Au point où est-ce que, entre les véhicules le matin, le soir, les camions de livraison, les 18 roues, les contracteurs, les entrepreneurs,
qui entrent et qui sortent de Cambruchésie, ainsi que, je peux deviner, en quelque part, la partie Cocréa également, rendu habiter sur la rue assez désagréable. À trois reprises, j'ai fait me faire faucher par des véhicules. Les gens, les parents sont pressés le matin pour aller mener leurs jeunes. Les gens roulent à des vitesses assez incroyables. Mais au-delà de tout ça, on comprend que quand on a acheté, on savait qu'il y avait un camp sur la rue. On comprend et on est d'accord avec le besoin d'avoir un camp pour les jeunes. Je pense que l'encadrement des jeunes est très important. Ce qu'on ne comprend pas, par contre, c'est le niveau d'activité commerciale qu'il y a sur le lieu, sur le site. On nous dit régulièrement qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Nous, en étant des gens à la maison 7 jours sur 7, on est tout le temps dehors. L'été, on se fait arrêter par des gens qui sont des résidents temporaires du camp pour des vacances en famille, qui nous disent « c'est tellement un beau quartier, y a-t-il des maisons à vendre? » Puis là, on leur pose la question « ben, premièrement, vous êtes qui? Et vous venez d'où? » Ben, on est en vacances au camp Bruchésie avec nos enfants. Ce week-end, il y avait un événement, je peux deviner que c'était peut-être un mariage ou un renouvellement de vœux de mariage. Il y avait un chapiteau, pas un chapiteau, mais un genre de gazebo installé là, avec toutes sortes de décorations blanches dessus, puis une soixantaine de chaises directement devant le lac. Ça, ce n'est pas des activités de camp de vacances pour les jeunes. Quand on va sur le site web du camp, on nous offre, on nous propose de louer des chalets au week-end, sans aucune activité connexe. J'ai trouvé trois sites web cette semaine d'entreprises qui font la promotion d'événements pour les mariages, qui font la promotion du camp, comme site de mariage. Pour quelle raison on permet au camp Bruchésie d'avoir ces types d'activités commerciales-là, puis de déranger la quiétude du quartier en se faisant? Les activités d'événements, pour avoir regardé le règlement, ne sont pas permises. Si vous me dites qu'il y en a encore, on va devoir s'asseoir, on va devoir convenir ensemble des limites qu'il va falloir respecter. Moi, je vais revenir au point de la circulation sur la 365. Ouais. Si je vous dirais qu'on est capable de réduire la circulation malgré les activités de camp, vous me diriez quoi? Bien, c'est sûr qu'on voudrait voir une réduction. Lors de la rencontre du 16 août, où est-ce que M. Desroches a présenté son projet, moi, j'ai posé la question à savoir, est-ce que vous allez, parce qu'ils ont l'espace pour le faire, allez-vous ouvrir une autre rue? Puis la réponse, c'était bien oui, c'est un peu dans le plan, mais éventuellement, peut-être. C'est la réponse que j'ai eue. Je pense que M. Desroches est au courant de mon intention, puis c'est sûr, dans le projet, je pense qu'une route d'accès pour les activités de camp unique serait une très bonne chose, je vous le dis, là. On va travailler fort en fonction du plan de développement pour que ça puisse être comme ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est sur la 365. Ouais, ce que je comprends pas, c'est compte tenu que vous savez que c'est un problème, puis que vous savez c'est quoi le développement qui est proposé, pourquoi est-ce que c'est pas une obligation du promoteur de se munir d'une entrée séparée pour que les gens de notre rue puissent finalement avoir la quiétude? C'est pas ce que je viens de mentionner. Ben, je vous dis, j'ai pas compris que c'était confirmé. Ce que j'ai compris, c'est peut-être on va voir, on va travailler avec. Ça pourrait être une exigence. Effectivement, alors l'émission des permis, je peux avoir de certaines exigences pour l'émission des permis. Ouais. Ça répond quand même pas aux questions des activités commerciales qu'il y a dans le camp. On aura une correspondance. Puis je sais qu'on me dit depuis 2 ans, non, c'est pas vrai. Écoute, il y avait une trentaine de véhicules là samedi. Samedi soir, il n'y avait plus de véhicules. On n'est pas dupes. On vit sur la rue, on voit ce qui se passe. On voit les véhicules qui passent, autant les clients que les parents avec des enfants, que des entrepreneurs, des camions de livraison. C'est vraiment nous prendre pour des poignées, nous faire à croire qu'il n'y a pas d'activités commerciales qui se font à cet endroit-là. Et maintenant, on vérifiera tout ça et on s'en donnera une nouvelle. Merci. Merci. Bonsoir, Daniel Bellet. Madame Tremblay, merci beaucoup pour les
les petits dans la présentation de diapositive sur la perméabilité, la pénétration de l'eau et tout ça. C'est très pertinent. Est-ce que vous allez communiquer ça au grand public Saint-Hippolyte? Bien, ça va être un des éléments d'information qui va être discuté par les gens du service d'environnement qui vont être ici samedi. OK. Mais je veux dire, site web, le sentier, là-dedans, pour que les gens... Ça pourrait. OK. Pourquoi pas? Non, mais je vous le propose. Parce que c'est intéressant, c'est important, la pénétration graduelle, le fait que, autant que possible, il faut diminuer les surfaces imperméables. Et comme vous le savez, tout le monde qui me connaît, moi j'ai un dadais, environnement, je fais toujours un lien avec l'urbanisme, mais moi, la façon que je vois l'environnement, c'est que c'est à travers toutes les fonctions municipales. Et quand je pense à ça, et que je regarde, j'ai été capable de faire un zoom sur le fait que vous avez vendu deux terrains. Première question, il l'a posé tantôt, on l'a reporté à la question. Qu'est-ce que font ces entreprises? Par définition, je pense que c'est loin qu'il y ait une entreprise en déneigement. Est-ce que c'est Dominique? C'est du storage d'entreprise qui fait. C'est du storage de la machinerie. Du storage à quoi? Il y a de la machinerie, il y a des équipements parce que c'est un tuyau. Okay. Ça, c'est DSL, ça? Moi, je pense que oui. OK. L'autre, il fait quoi? Celui qui est le plus proche du milieu humide? Compagnie d'excavation. OK. Maintenant, en faisant un zoom, c'est bien pratique pour ça. Faisant un zoom, ce que je vois, c'est que j'évaluerais à peu près presque 50% du terrain actuel qui contient des matériaux indéterminés qui sont empilés sur le terrain. OK. Et qui sont, comme la raison, à proximité du milieu humide. Et là, vous allez vendre le terrain qui suit, la partie qui suit, qui est encore plus proche du milieu humide, et potentiellement, l'utilisation de ce terrain-là va ressembler à celle qui existe déjà. J'aimerais le milieu humide a été clairement identifié, piqueté, et il va devoir le respecter à la lettre. Si, après les inspections annuelles, il déroge, il va être mis à l'amende, c'est définitif. Oui, mais ça, c'est toujours a posteriori. Non. C'est toujours après que les dommages sont faits. Et je regardais tantôt, pendant que vous faisiez votre réunion, comment la pluie tombait, et je m'imaginais cette pluie diluvienne qui tombait sur les matériaux secs et s'écoulait dans le milieu humide. OK. Donc, je me pose des questions à savoir la pertinence. En plus, on risque que ces belles taches bleues-là que vous avez montrées sur la présentation, ça risque de devenir encore des milieux imperméables dans une zone où on encouragerait la perméabilité, surtout à proximité des milieux humides. Je rappelle, M. Bréc, ce secteur-là, c'est le secteur industriel de Saint-Hippolyte. Là. Oui, oui, c'est un secteur industriel par défaut, parce que si on se rappelle de l'historique, ça a été un site qui a été racheté parce que c'était censé devenir un site d'enfouissement. On a empêché, on était obligé d'exproprier. Donc, on a converti les terrains en secteur industriel, mais c'est de l'industriel léger, pas de l'industriel lourd. Oui. Mais là, c'est sûr que vous avez mis des conditions, mais ça devient commercial. N'est-il pas vrai qu'à partir du moment où le zonage est identifié commercial, vous perdez le contrôle de tous les travaux qui se font sur ces terrains-là? Je ne pense pas que ça sera le cas. Parce qu'au niveau de la vente, ça va être clairement identifié. Ils se doivent de donner un plan de contingence à chaque année, les travaux qu'ils vont faire, puis pas s'approcher du milieu humide. Okay. Et on a des inspecteurs en environnement maintenant, ce qu'on n'avait pas avant. Ils font une très, très, très bonne job et qui sont capables d'être nos yeux en plus de ce que la population peut nous donner comme feedback au niveau de ces projets. Je peux comprendre que c'est zone commerciale. Je peux comprendre que c'est une partie industrielle. Il y a quand même certaines parties de cet environnement-là qui sont plus sensibles que d'autres. Je peux le comprendre. C'est sûr que la carrière, ils ne creusent pas dans des milieux humides. Les autres, ils vont exploiter le sol. Je comprends ça aussi. Mais il y a d'autres parties
qui doivent probablement être protégés. Donc, avant de faire quoi que ce soit avec, toujours mon dada, protection des milieux humides, comprenez qu'on avait deux choix. Hein? On réduit la portion de vente du terrain, puis on ne les rend pas responsables de la présence du milieu humide, ou bien, dans l'achat, on leur dit, vous achetez la portion du milieu humide et on vous oblige à en faire la protection. C'est l'option qu'on a privilégiée. Okay. Et il reste à voir si ça va être mis en pratique. Merci. Merci, M. Bray. Micro. Votre micro est-il allumé? On n'entend pas bien dans la salle ici. Pour le monsieur qui a passé une étude environnementale de phase 1, peut-être, vu qu'il y a de l'entreposage, ça pourrait être demandé. Là. Je pense que j'ai une entreprise, puis dès que tu entreposes, que ce soit des moteurs, décider ça, tu es supposé de faire une étude environnementale. De la part du propriétaire. Du propriétaire, oui. Pas de la municipalité, mais du propriétaire. Monsieur le maire, ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre. C'était pour le camp Cocréa. Beaucoup de rumeurs. On a rencontré M. Desroches. Très cordial. Belle présentation. C'est un projet qui, pour la majorité des citoyens, est complètement incompréhensible. Je prends la lettre que vous avez répondue. Je n'étais pas une des personnes qui a signé la lettre. Je n'étais pas au courant que ça se faisait. C'est bien que ça se soit fait quand même. Ça a éclairci un peu des choses. Vous avez aussi voulu éclaircir des points. Vous dites, vous ne voulez pas rouvrir le débat sur le certificat d'usage, puis des opposants au projet semblent souhaiter que nous réécrivions certains règlements pour satisfaire les intérêts personnels. Je trouve que c'est très réducteur vis-à-vis de la population et des citoyens. Il y a vraiment un problème, une perception sur l'environnement et le dommage qui peut être fait à l'environnement. Et on parle des... quand vous avez parlé de l'environnement, vous dites que M. Desroches s'engage à ne pas faire d'activité nautique intense. M. Bellan, juste une chose. D'entrée de jeu, je vais juste recadrer. Rappelez-vous que depuis 2016, même plus longtemps que ça, on s'est engagé à ne jamais faire la modification de zonage de ce camp-là pour garder justement la nature de ce qu'était le camp de Luchesie et de conserver ce qu'on appelle des activités de camp. Et jusqu'à date, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Je ne m'abuse. La parole appartient à M. Bellan. Je vois, le camp Bouchésie 1, ça, il n'y a aucun problème, c'est là depuis 70 ans, 80 ans. Le terrain 2 et 3, on est en train de parler de... Au niveau de l'environnement, vous parlez juste des activités nautiques intenses qui peuvent être dommageables, mais ils s'engagent à ne pas en faire. La lettre des citoyens a parlé de dégradation de paysages naturels et ainsi de suite. Vous avez dit que c'est sans fondement factuel. Selon M. Desroches, si on a bien compris ses intentions, c'est un hôtel de 25 chambres, des 24 cabines, 12 par 20, un spa, massage, installation sportive. On peut inférer avec le plan directeur du lac Achigan, qui a été fait en 2012, qu'il y a environ 100 000 à 200 000 pieds carrés de bandes riveraines à corriger. Monsieur Meunier, vous êtes docteur en génie, je pense que vous pouvez aller corroborer ces chiffres-là avec un chiffre plus exact. On fait ça pour empêcher la dégradation du lac. Monsieur Desroches, dans son plan, on va très certainement raser quelques centaines de milliers de pieds carrés, que ce soit pour les sentiers, les stationnements. Et on part d'un 280 mètres, on descend à 200 mètres. C'est 14 % de pente qu'on a en dénivelé. C'est évident qu'il y a de l'eau de ruissellement intense qui va s'y produire. Et dans les addendums au plan directeur en 2014, les actions prioritaires pour le Clé-Laurentide, pour les bassins versants, ils invitent les entrepreneurs, et même c'est très important, de conserver le maximum de végétation sur les terrains. Oui. Au niveau de la municipalité, identifier et caractériser les foyers d'érosion dans le bassin versant,
et sensibiliser les résidents et les entrepreneurs à l'importance de conserver le maximum de végétation sur les terrains, même action prioritaire pour les citoyens et les commerces. On va raser entre 100 et 200 000 pieds carrés dans une pente à 14 % au pied du lac Achigan. C'est certain, M. le maire, on ne peut pas dire que ça ne fera pas de dommages environnementaux. C'est impossible. C'est impossible. C'est sûr et certain que toutes les résidences qui se construisent à Saint-Hippolyte ont un impact environnemental parce qu'on déboise naturellement. Monsieur le maire, on parle de 100 000, 200 000 pieds carrés rasés, monsieur le maire. Vous me parlez d'une résidence. Mais je veux juste faire comprendre quelque chose à l'ensemble de la population. OK? Vous êtes propriétaire d'un terrain. Vous avez une belle grande maison, puis vous décidez. Vous avez l'idée de construire un beau garage. Tu sais, un gars, là, on s'entend un beau garage. J'aime savoir un beau garage. Par contre, vous avez le droit de le faire. La réglementation est concorde, tout fit, vous pouvez le faire. Mais vos voisins aux alentours ne sont pas d'accord que vous fassiez votre garage. Est-ce que je vais vous empêcher de faire votre garage parce que les voisins aux alentours nous disent que le garage ne correspond pas à ce qu'eux autres veulent? En mentionnant ça, je comprends très bien. Ce que vous faites, vous m'amenez directement à mon troisième point, qui est au niveau de la consultation publique. Quand vous dites que je tiens à rappeler que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que les consultations publiques ne sont pas obligatoires lorsque la réglementation est respectée. J'entends très bien votre point. Effectivement, s'il n'y a pas de changement réglementaire, la consultation publique n'est pas requise. S'il y a un changement réglementaire, je dois consulter. Mais écoutez, je vais juste coller la shot, là, OK? Je sais que ça crée beaucoup de controverses. Je sais qu'il y a du monde et qui sont à cran par rapport à ce projet-là. Moi, je vous propose quelque chose, OK? M. Desroches a fait une présentation le 16 août dernier. On n'était pas là. C'était un choix et on s'est fait conseiller de ne pas être là parce que c'est un projet qui était présenté par le promoteur. Moi, je vous propose quelque chose. Le 27 septembre qui s'en vient, je suis prêt à faire une séance d'information publique. Il y aura avec moi le directeur de l'urbanisme. Il y aura un aviseur légal qui sera ici et on vous expliquera le blanc et le noir pour être sûr qu'il n'y ait pas de zone grise. Je prends l'invitation, c'est certain. Plus qu'on jase, plus qu'on peut arriver à quelque chose. On n'a rien à cacher, là. Et ben, je vous le dis, monsieur le maire, tel que présenté, monsieur le maire, quand vous dites respecte que... Respecte les usages de camp, je reviens... Monsieur le maire, juste terminer mon point. Je reviens... Il y a eu dans le Journal de Montréal, en 2021, le destin tragique d'un joyau est mis en péril. Il y a eu plein de discussions dans le village, vous le savez, à la station de gaz, n'importe où, Bonichois. Oui. Vous n'étiez pas obligé de faire une consultation publique. Bruno Laroche, en 2011, exploitation minière à Saint-Hippolyte. Bruno, s'il suivait la loi, n'était pas obligé de consulter les citoyens. Mais Bruno a demandé, je demande aux citoyens de réfléchir sérieusement. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Bien. En pensant à la municipalité et aux concitoyens, j'aurais aimé que vous soyez influencé par les bénéfices et répercussions pour les communautés locales, l'impact sur le milieu de vie et l'environnement, les risques réels ou perçus et incertitudes, valeurs, croyances et attentes des citoyens, contexte socio-économique, confiance envers les promoteurs, participation à la prise de décision. Tout ça, M. le maire, c'est le principe d'acceptation sociale émis par le gouvernement du Québec. Mm-hmm. Il n'y a rien qui a été fait. Dernier point, le code d'éthique que vous avez adopté le 15 mars 2022. Le point 4.1.3. Prudence à la poursuite de l'intérêt public. La prudence commande à tout membre du Conseil d'assumer ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives. L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage d'intérêt privé ou personnel au détriment de l'intérêt public. C'est effectivement ce qu'on a fait, M. Bélan. Monsieur le maire, je prends votre invitation du 27 septembre. M. Desroches qui est là, Éric, tu as fait beaucoup la promotion de l'humain, que tu voulais, tu as connecté avec l'humain et ce qui s'en présente et sa quiétude. Je pense que tu vois qu'on n'est pas en quiétude du tout.
on va faire la rencontre du 27 septembre, M. le maire. Ça me fait plaisir. Peut-être avec M. Desroches, on va convenir que le projet du camp Cocréa, dans son état actuel, n'est absolument pas convenable au lac Achigan. Mais peut-être qu'il y a un projet quelconque qui peut être modifié avec le terrain 1, avec terrain 2, 3, comme promenade en forêt, tir à l'arc. Qui pourrait faire l'affaire? C'est exactement ce qu'on a mentionné, que quelque part, il y a, pour le moment, là, le certificat déposé. D'usage ne l'autorise pas à faire quoi que ce soit comme travaux. Il n'y a aucun permis qui est demandé. Monsieur... Avant d'émettre un permis, le but, c'était de faire un comité puis de voir à l'avancement de ce projet-là, ensemble. Mais quelque part, on semble ne pas vouloir d'aucun projet. Et malheureusement, je peux vous dire que c'est pas comme ça qu'on va fonctionner parce que vous avez mentionné tantôt qu'on doit toujours travailler dans l'intérêt public. Je vous rappelle, puis j'en ai fait la démonstration, que quand on a exproprié un site pour un site d'enfouissement, ça coûte extrêmement cher à la ville. Mm-hmm. Parce que finalement, le droit y était. Mm-hmm. Et dans une société de droit, ben c'est ce qui prime. Si au départ, la règle lui permet et il a le droit de le faire, ben la seule façon de dire non, tu le feras pas, c'est de l'exproprier. Ben c'est une des solutions. Très simple. Très simple. C'est une des solutions très simples. À part de travailler avec le promoteur et s'en aller sur un projet, monsieur, qui va où les responsables. Monsieur le maire, le point est que ça ne peut pas être le projet actuel. C'est trop dommageable à l'environnement. C'est clair, net et précis. La dame qui est là, Mme Tremblay, elle-même a fait la démonstration des eaux de ruissellement. C'est fou ce qu'on fait. Ça va éliminer tous les efforts qu'on fait pour les bandes riveraines. Tout ce qu'on fait d'engager des inspecteurs, bandes riveraines, M. Meunier peut le calculer. C'est un docteur en ingénierie. Si vous m'interpellez, je pourrais vous dire que j'ai eu, grâce à la gentillesse de M. Gingras, Mme Gauthier, les membres du comité consultatif en urbanisme, on a été invités à faire un tour sur le lac pour constater l'état des bandes riveraines. Je ne sais pas comment dire ça avec vraiment des beaux mots, là. Mais se faire comme ça, là, comme ça se passe présentement, puis les gens sont contents que je vous dise que c'est important les bandes riveraines, puis plantons des arbres, mais il n'est pas question que je rapetisse mon moteur de bateau, il n'est pas question que je revoie mon installation septique, il n'est pas question que je rapetisse ma maison pour que je plante plus d'arbres. Je l'ai entendu plein de fois sur le lac Éco, sur le lac Achigan, sur le lac Conley, sur le lac Morancy. Ça fait juste depuis le mois de novembre que je suis élue. Et vous? Les gens qui sont élus ici, là, ça pourrait être vous aussi. Mm-hmm. Puis moi, en ce qui concerne mon petit nombril personnel, là, mm-hmm. je me suis présentée pour le bien commun. Mm-hmm. Puis je vais continuer parce que je crois au bien commun. Bien, je vous remercie infiniment. Mais faire des procès d'intention, que je ne fais pas mon travail, que je deal avec Éric en cachette, que je deal avec Nicolas en cachette. Moi, je suis pour l'équité. Puis si on les exproprie, on va mettre des citoyens de Saint-Hippolyte en faillite tellement ça va coûter cher. Je vous remercie pour votre diligence pour les bandes riveraines. C'est ce que nous avons... J'aimerais vraiment ça que ça soit le fun, les conversations. Là, Madame Tremblay, je vous remercie infiniment pour votre diligence sur les bandes riveraines. On fait tous nos efforts. J'habite pas sur le bord du lac Achigan, mais tout près. Et on fait excessivement attention. Vous êtes fâchés. Je suis très fâché aussi de constater que vos efforts, si on rase 100 à 200 000 pieds carrés de terrain, vont être rendus à néant. Parce que vous avez de l'eau de ruissellement dans une pente à 14 %. Je vais vous rejoindre là-dessus à 100 %. J'ai pas vu qu'il rasait si grand nulle part dans son projet. Il est venu nous le présenter, il a posé 10 000 questions. On était tous sceptiques et perplexes, mais je n'ai pas vu ça. Mathieu peut vous calculer ça. OK. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci. J'apprécie pour le 27. Beaucoup. Puis le comité de vigie, je ne sais pas quand vous allez le faire. Je me porte volontaire. Suite au 27, c'est sûr, je vais prendre des noms. Merci beaucoup. On va constituer un comité de suivi. Merci. Merci. Bonsoir. André Marcoux, Lac du Pain Rouge. Première chose, je voudrais vous remercier de la route que vous avez faite le long du lac avec les bassins de rétention, tout ça. C'était dû depuis longtemps. Il était temps qu'on le fasse. Félicitations. Merci, monsieur. Le travail était... J'en passe un mot, ça va être épais. OK. Maintenant, deux, trois petites questions. Monsieur Bray a dit... à parler des deux compagnies, excavation, tout ça, terrain imperméable, perméable. Bon.
si jamais la personne, le propriétaire du nouveau terrain ne respecte pas le terrain humide, il arrive quoi? Une amende de quoi? 15$, 20$? Ou, on va travailler avec le Bureau régional de l'environnement, et les amendes doivent être beaucoup plus salées que ça. Non-respect des milieux humides. Un petit peu plus. Parce que, je sais pas, moi, je trouverais qu'une amende serait qu'il perde son terrain, point final. Mais ça, c'est mon avis. Peut-être pas aller jusque-là, mais... On a une de 70 000. 2.2, acquisition d'un broyeur à branches. C'est la ville qui va faire ça à la place de la compagnie. Est-ce que ça va être sur la même modus operandi? C'est-à-dire une fois par mois, ils vont venir? Ou... Bien, le processus peut changer. Le but, justement, de faire l'acquisition du déchiqueteur et de le faire en régie, c'est d'essayer d'économiser un peu de sous parce que la compagnie qu'on a engagée nous a coûté extrêmement cher, puis on sait qu'on a un été hors de l'ordinaire. On a déchiqueté des branches pour les 5 prochaines années, si on voudrait. Mais malheureusement, il va en avoir encore. Et le faire en régie, ça nous permet de mieux s'équiper et d'essayer de se faire des économies d'échelle. OK, mais ça comprend quoi, ça? Est-ce qu'ils vont passer une fois par... Ils vont faire 15 minutes une fois par mois? Les modalités ne sont pas encore définies par rapport à l'utilisation. Avez-vous on dépend une idée des ressources qu'on va y mettre. Là? Pardon? Avez-vous une idée vers quoi ça va? Ça va aller? Pas encore. Je pense que c'est pas rien de canné pour l'instant. C'est sûr. Plusieurs options sont sur la table. C'est sûr que ça ne sera pas en deçà du service qu'il y a actuellement. Parce que chez nous, entre autres, ça a frappé fort cette tempête-là. J'en ai la moitié de faite, puis j'ai 23 cordes à couper déjà. J'ai pas fini, M. Marco, vous non plus. Moi non plus. Puis, un projet qui me tient à cœur, moi, c'est des fragmites. On est en train de déraper avec ça. Il y en a quelques-uns là, la 333, il y en a presque tout le long. Moi, je voyage beaucoup à pied. J'ai une cité volontaire au Lige. Mais depuis le village, je remarque à tous les ans, la fragmite augmente de 2 km vers chez nous. Mm-hmm. J'ai rendu une grosse table de Laurent Richer à Sourcéon. C'est pas loin de chez nous, ça. Dans 2 km, moi j'étais à 2 km et demi. J'ai dit tantôt qu'on a fait des démarches auprès du ministère de l'Environnement pour le long de la 333, mais on n'a pas aimé les réponses qu'on a reçues. Fait que, on va continuer le travail. Il faut réagir maintenant, parce qu'en Ontario, ils n'ont pas réagi maintenant et c'est hors de contrôle. On va regarder les projets qui pourraient être mis en place. Parce que les fragmites, là, je suis allé voir des amis sur le chemin Hunter, puis il y en avait des fragmites. C'est chiant, ça, là. OK? Ça va déraper. Il y en a un petit peu partout. Il faut réagir rapidement. Ça meuble les milieux humides. Il y a des projets pilotes qui se font à travers le Québec. On les suit de près, mais pour l'instant, c'est des produits chimiques qu'ils utilisent. Oui, mais ça, on ne peut pas s'en aller vers cette partie-là. En Ontario, il y a le feu, il y a l'arrachage pour les petits. OK, moi, là, je m'occupe de ça depuis 3 ans dans le parc des Falaises. La première année, on a arraché 600 plants, puis des moyens, là. J'ai eu 8 pieds, 10 pieds, ça peut monter jusqu'à 15, là. OK, on a arraché ça, 600. L'année d'après, beaucoup moins. L'année passée, il n'y avait que 110. Cette année, on a arraché peut-être 15. Ça ne revient pas. Fait que... Non, mais je regarderai les initiatives qui ont été faites au Parc des Falaises. Il y a une discussion à faire par rapport aux projets qui sont en cours présentement, un peu partout au Québec là-dessus. Parce qu'il y a un tour d'avancer ça. Merci. Merci, M. Marco. Bonsoir, mon nom est Alain Brunet. J'habite dans 305e avenue, je m'excuse. Écoutez, j'ai une question pour le conseil municipal, pour le directeur de la municipalité. Bonsoir, Mathieu. Bon, écoutez, j'ai assisté à la présentation du projet Co-Créa. M. Desroches a fait une excellente présentation.
Il a répondu à de nombreuses questions, donc ça nous a permis de mieux comprendre. Le projet qui va être réalisé par Cocréa Immobilier est, selon moi, de nature commerciale, je dis bien selon moi, de nature commerciale et s'adresse à une clientèle récréo-touristique. Un certificat d'autorisation est accordé sur des lots qui sont zonés récréatifs. Donc, il est possible, encore là, je prends le mot possible, que le certificat ne respecte pas la réglementation en matière de zonage. La municipalité a peut-être de l'information additionnelle. Donc, quand vous dites que vous allez faire une présentation le 27 septembre, ça c'est intéressant, c'est sûr. Parce que votre conclusion, quand vous avez donné le certificat le 6 juin, est fort différente. Alors, ma question, M. Meunier, c'est la suivante. Quel mécanisme existe au sein de la municipalité pour obtenir une révision du certificat par une tierce partie indépendante de type ombudsman? Je pourrais me renseigner, je ne l'ai pas à première vue, mais il n'y a eu aucun changement qui a été fait pour ce type de certificat d'usage-là. Non, pas. Mais ce n'est pas une question de changement ou pas. Là. Vous avez donné un certificat. Oui. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui est prévu? La question, je peux la comprendre, c'est est-ce qu'il y a un mécanisme qui est prévu? Ouais, dans les statuts officialiser une demande de changement d'usage par un tiers. Non, c'est pas ça ma question, M. Dagenet. M. le maire, je m'excuse. Non, ma question, c'est si. Ben, je vais vous donner un exemple, là, peut-être que vous allez mieux comprendre. Si vous avez un problème avec votre téléphone, vous appelez chez Bell Canada, vous escaladez une demande pour faire une. Je sais pas, j'appellerais pas ça une plainte, faire une requête, OK? Mm-hmm. Automatiquement, le CRTC a prévu qu'il y a des ombudsmen. Alors, au niveau des affaires municipales, les municipalités ont dans leur statut constitutif une procédure pour que des citoyens puissent vous adresser une demande avant ou en parallèle d'une demande légale. Donc, moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui est prévu à Saint-Hippolyte? Je vais m'engager à vous la répondre, à vous la transmettre dans les plus brefs délais. Parce que j'ai vérifié, moi, puis j'ai trouvé qu'il y a certaines municipalités au Québec qui l'ont. Sinon, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui est prévu dans la loi des municipalités, M. Meunier? Dans une situation comme ça, pour vous faire une demande pour qu'une tierce partie indépendante fasse la révision du certificat qui a été donné, du processus décisionnel qui a été suivi et de la conformité par rapport au zonage. Donc, ça, c'est une façon d'aller chercher une réponse qui ne passe pas par un tribunal, qui ne crée pas de frais à personne, qui n'amène pas de chicane. C'est une question que vous pouvez poser. Vous pouvez appeler au ministère des Affaires municipales pour lui demander s'il y a un mécanisme déjà fait, parce qu'on réinvente le bouton gâteau, là, si ça existe. Moi, ma connaissance, on n'a jamais utilisé ça à Saint-Hippolyte. La situation ne s'est jamais présentée. Je suis bien conscient, donc je vous pose cette question-là. Mais il y a toujours une première fois. Bien, je comprends bien ça. La deuxième question, en fait, c'est pour le conseil, là, c'est plus un point de réflexion, parce que c'est évident que c'est une situation qui est peut-être conflictuelle, peut-être une situation qui crée des tensions. Alors, vous avez mentionné, M. le maire, quand vous avez parlé de ça au mois de juillet, que vous avez fait une analyse de risque. T'sais, vous avez dit, vous avez donné comme conseil municipal le certificat en fonction d'une analyse de risque qui fait en sorte que vous voulez minimiser les impacts pour la municipalité. Mm-hmm. Comme vous savez peut-être, je suis un expert au Canada en matière de gestion de risque, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, je vais me permettre de vous faire, et je suis aussi administrateur de société au Canada, donc je vais vous faire part de deux suggestions. Pour justement minimiser ce risque-là, si j'étais un membre du conseil municipal. Alors, la première question c'est que je veux vous poser, c'est est-ce que vous avez consulté des experts externes? Depuis le mois de juillet, avez-vous eu la chance de poser comme conseil municipal des questions relativement à la polémique que ce dossier-là amène? Bien, il y a Médecin Tambour qui est au dossier depuis toujours. J'ai vu des correspondances qui datent de 2018, 2020, non, mais je vous parle 2021. Pas, mais là, je vous parle à vous comme membre du conseil, parce que vous savez, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous avez un genre de responsabilité générale à titre d'administrateur. La loi au Québec, quand vous êtes administrateur d'une municipalité, vous avez une responsabilité générale d'être informé et de vous poser des questions pour être sûr que vous n'engagez pas votre responsabilité personnelle. Vous demandez à des experts leur point de vue. Comme ça, ce n'est pas votre point de vue à vous, mais celui des experts. Donc, je vous pose cette question-là. Est-ce que vous l'avez faite? M. Brunet, je vous rappelle, vous êtes dû nous faire une présentation à tout le conseil concernant l'historique du camp Bruchézé pour bien nous informer de la situation. Et l'ensemble des conseillers ont reçu cette information-là de votre part et M. Coutu. On a reçu M. Desroches qui est venu nous présenter son projet du camp Cocréa. Et on s'est renseigné auprès du directeur de l'urbanisme qui lui a fait ses devoirs et qui nous a dit que au niveau de l'usage
du camp qui était proposé, c'était légitime. Bien, moi, je vous comprends, M. Dagenais, mais je vous suggère, comme membre de conseil, de consulter des experts externes. Et deuxièmement, je ne connais pas votre assureur. Je connais les assureurs en responsabilité au Québec, au niveau des polices erreurs et omissions. Vous les connaissez mieux que moi. Là, M. Meunier doit savoir de qui on parle. Ça dit sans doute la Mutuelle des municipalités du Québec. Ils ont sur leur site les meilleures pratiques en matière d'urbanisme advenant une situation comme celle qu'on connaît ici. C'est-à-dire qu'il y a un risque. Je ne vous dis pas que je connais les conséquences du risque, mais il y a un risque. Le risque est à plusieurs niveaux. Vous avez parlé de ne pas autoriser le certificat. Le risque qui existe aussi, c'est celui de l'avoir donné. Donc, je vous encourage, si vous voulez protéger votre responsabilité personnelle et surtout protéger les citoyens et la municipalité, pour qu'on évite d'aller vers une situation où, pour avoir, comme vous disiez tantôt, je pense, des poursuites, une expropriation et ainsi de suite, il faut à tout prix que vous posiez des questions à ces gens-là, ou tout le moins que vous informiez votre assureur qu'il y a une polémique, puis vous fassiez en sorte que, s'il y a des enjeux à regarder, vous le faites. Alors, c'est une suggestion que je vous fais à titre d'expert en gestion de risque. Je vous remercie de m'avoir écouté. M. Brunet. Merci. La firme d'avocats ne travaille pas pour nous. Rebonsoir. Ça ne sera pas bien long. C'est juste que, lorsque vous avez répondu à une question de M. Marcoux tantôt, j'ai quelques neurones qui sont entrechoqués. Puis, j'ai dit, « Hein? J'ai-tu bien compris? » Bon, on revient sur l'histoire des terrains et sur l'infraction potentielle ou possible du commerçant dans le milieu humide. Et vous avez dit qu'il y aurait potentiellement une amende très salée. Oui. J'ai bien compris? Oui. OK. Et alors, ma question, c'est pourquoi, dans le cadre d'un problème d'invasion de milieu humide sur la 333, à ce que je sache, il n'y a pas eu de constat d'infraction, il n'y a pas eu d'amende de la municipalité et que le dossier est dans les mains du ministère de l'Environnement. Mm-hmm. Effectivement. Ouais. C'est quoi la différence, les deux? La différence, c'est que c'est le ministère de l'Environnement qui l'a émis. On est en train de travailler, à essayer de régler la situation pour requérir. Il faut comprendre que, je ne veux pas nommer de nom, mais il y a des secteurs de cette politique qui sont propices pour créer des zones d'impact pour les coups d'eau. Et quelque part, on veut travailler avec le Bureau régional de l'environnement pour essayer de faire reconnaître ça. Mais les amendes ont été émises pour le citoyen que vous parlez. Et les amendes de la municipalité? Non, c'est pas la municipalité qui a émis les amendes, c'est le Bureau régional. OK, mais là... Mais je ne veux pas rentrer là parce que c'est un... Non, mais c'est parce que j'essaie de comprendre. Je veux juste vous dire que les amendes sont très salées parce qu'on n'utilise pas les milieux humides à bon escient. Mais là, quand vous parlez que le monsieur aurait potentiellement une amende s'il est en infraction, c'est une amende qui viendrait de la municipalité, c'est ce que j'ai compris. Non, ce serait le ministère de l'Environnement. Je peux me faire assister par le ministère de l'Environnement si je veux passer au niveau de responsabilité des milieux humides. Et là, ça finit plus de finir. OK. Merci. Non, mais c'est plus que 50 000 $ l'étude, ces amendes, en montant. C'est bon. Monsieur Bray, les terrains qui ont été vendus, une partie est en milieu humide. OK? L'alternative aurait été de vendre juste la partie exploitable et de garder le milieu humide. Peut-être. Dans le cas d'un incident, si la municipalité était propriétaire du milieu humide, le fardeau d'entreprendre les démarches pour faire reconnaître que le voisin a pollué son milieu humide, c'est la municipalité qui doit engager ressources, frais pour entamer ça. Comme on vend une partie du milieu humide, s'il y a contamination, s'il y a malveillance, ben, on ne fait que le dire au ministère de l'Environnement et eux, tout de suite, enclenchent le processus. Donc, on a un avantage. Et voilà, on court-circuite déjà une démarche administrative longue parce qu'en effet, il y en a eu, de ce que je comprends, là. Il y a un contrat d'infraction qui a été émis pour la 333, là. Mais c'est long. Fait qu'on a pris un chemin où le long, il est moins long que le très long, que ça aurait pu être très, 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 très long. C'est pas idéal, mais c'est le chemin le plus court qui est déjà long. Bonjour, Éric Desroches, chemin du Lac-Achigan. En fait, j'ai pas de questions directement, mais c'est peut-être juste mettre point de clarté. D'un, je suis content de savoir que s'il y a une ouverture de la plaque pour communiquer dans le projet, tout à fait d'accord. Juste sur la mention que l'année dernière,
on aurait un échange de 3 heures pour présenter le projet, si c'est bien ça que Mme Gauthier a présenté. Pour avoir été sur un appel avec elle et M. Garot, au début de l'appel, on nous a dit comme quoi la rencontre d'une heure devait être mise en 30 minutes, étant donné que l'appelant n'avait pas assez de temps de pouvoir écouter le projet. Mais si, suite à ça, il y a une ouverture, puis je pense que ça a été amené à la présentation, que ce soit avec le comité de l'appel, que ce soit avec le comité d'autres citoyens aussi, je suis totalement ouvert pour pouvoir regarder le projet. L'autre chose, au niveau, vous parlez de du 27 septembre, physiquement, ben, on s'en est pas parlé non plus. Physiquement, je suis à l'extérieur de la province pour la semaine. Si vous tenez à faire la présentation sans que je sois là, bien à vous, mais sachez que je suis complètement ouvert d'être présent aussi si jamais il y avait une date qui pourrait convenir. Mm-hmm. Fait que je fais mention du temps que ça vient d'être noté, puis je sais qu'il y a des gens ici qui voudraient être présents aussi. Donc, je suis 100% ouvert à s'il y a une autre date pour être présent physiquement aussi. On va en discuter. Merci. Merci, M. Desroches. On prend les contraintes en note pour être sûr de satisfaire l'ensemble. Monsieur le maire, M. Valentin, d'ici là, qu'on s'abstienne de faire briller tout ça au moins avant qu'on ait une discussion. C'est certain. Merci infiniment. Tu devrais remercier. Je connaissais pas de micro. Non. Il faudrait prendre le micro parce qu'il y a du monde en ligne qui nous suit. Je pense qu'on va se parler à la fin de la rencontre. Je suis vraiment malgré, j'ai ma fosse septique à changer, j'ai un toit à refaire. Cette fois-là, j'ai touché à faire avant de mettre. J'ai 78 ans, j'ai besoin d'aide, de quelqu'un quelque part. On se parle tout de suite après la rencontre, pour être sûr de convenir de quelque chose avec vous. Absolument, parce que là, je suis vraiment devant un problème. Les nappes phréatiques, je n'avais pas ça avant. Il y a 3 ans, je n'avais pas ça du tout. Puis là, comment ça se fait? Ma fosse septique, ça a débordé, ça rentrait dans ma cave, c'était viande, c'était cœur, tout ça. Mais c'est pas drôle de vivre ça. Ça me suit un couteau qui a été détourné quelque part, puis qu'à un moment donné, il s'est arrivé en dessous de mon terrain. C'est pas normal, parce que quand j'ai rajouté la porte de mon mari sur la maison, il était dit, sur le nouveau contrat, qu'il y avait apparemment une zone de livraison. OK? Mais moi, pour moi, quand on l'a acheté en 82, ça fait longtemps, ça fait 40 ans, la cascade qui était sous le terrain du voisin, que je ne peux pas construire, là, qui était là, elle s'en allait sur mon terrain, elle faisait le tour comme ça, elle s'en allait dans le fossé juste pour la former. Comment se fait-il que cette zone-là soit rendue sur mon terrain et qu'elle passe plus dans la cascade? Venez voir tantôt. Je veux vraiment prendre en note. Elle fait une vérification. Bon, on va vous aider, c'est sûr. Certain. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, si on n'a pas d'autres questions, j'aimerais que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée, Monsieur le maire. Merci, Mme Lachaine. Merci, Mme Tremblay. Écoutez, à tout le monde, je diffuse l'information pour la séance d'information, mais on va convenir d'une date qui risque d'être différente de celle proposée, considérant que M. Desroches ne pourrait pas être là. Je vous reviens rapidement avec une date.
Merci tout le monde, bonne fin de soirée.